Je suis Aurélie Pavageau, directrice d'agence pour Suez au service des collectivités. Bienvenue sur le quai Fulchiron, à la déchetterie fluviale mise à disposition par la métropole de Lyon, exploitée par Suez. Donc concrètement, c'est une déchetterie, mais qui est un peu particulière parce que finalement, elle flotte. Oui. C'est ça, et je crois que c'est pas la première en France, ou en tout cas, c'est une première dans la région. C'est vraiment un modèle économique très innovant. Ouais. C'est le premier en Europe. Il est innovant pourquoi ? Il est innovant parce qu'on utilise le fleuve. Elle est complètement éphémère, cette déchetterie. On arrive le matin, il n'y a rien. On repart le soir, il n'y a plus rien. Et elle est innovante parce qu'on se rend vraiment au service de la population et au plus près des administrés. Donc c'est chaque samedi, finalement, si je suis habitant dans le Grand Lyon, je peux venir ici poser des déchets qui peuvent être recyclés. Tout à fait, tu viens le samedi matin, tu viens le samedi après-midi, tu vides tes cartons, tu vides tes bois et ils auront une seconde vie. Chaque déchet aura une filière de valorisation, qu'elle soit une valorisation matière ou une valorisation énergétique. Il y a également la recyclerie. D'accord. Qui est disponible, donc vous venez et vous pouvez donner vos affaires. Et donc du coup, ce bateau, il part où ensuite ? Il est amarré en temps normal à PEH. Ouais. Et il arrive ici le samedi matin. Dès que les bennes ou les contenants sont pleins, Suez vient les récupérer et ensuite on les évacue vers les filières de traitement. D'accord. Suez exploite le service qui est mis à disposition par la métropole de Lyon. Donc c'est la métropole de Lyon qui nous dit où orienter les déchets. Chaque fois qu'on jette du bois sur la déchetterie, le bois ensuite il est revalorisé à 99,9% vers des filières qui sont des filières de panotiers. Les fleuves, c'est essentiellement VNF. Et c'est vrai que VNF et la métropole de Lyon sont très moteurs dans le développement de la logistique urbaine. Combien de personnes qui travaillent sur le bateau ? Alors, vous avez, monsieur là-bas. C'est ça, vous avez nos deux agents de déchetterie qui sont là tous les samedis, fidèles. Et nous avons deux collègues qui est l'armateur du bateau, CFT, qui est également là pour la sécurité. Donc vous, vous êtes directrice justement générale sur cette agence qui gère ce type de projet. Concrètement, est-ce qu'il y a d'autres choses que cette péniche fluviale que vous gérez justement avec Suez ? Alors, Suez est vraiment au service des collectivités. Et mon travail, c'est d'être en relation avec les parties prenantes, nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs, les centres de traitement des déchets. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu.